une seule chose. J'avais une seule chose à faire cette année. C'est de parler à personne, fréquenter personne, aller en cours, les yeux qui regardent vers le bas, parler à personne, parler à aucun prof, terminer mes cours, rentrer chez moi. Pourquoi il a fallu qu'il y ait cette fille à qui je parle tous les dimanches dans le couloir? Elle n'est même pas dans mon groupe, elle n'est même pas dans ma section, c'est juste une fille, tellement je la crois chaque jour, c'est devenu du « Salut, ça va? Comment vas-tu? Ça va super? À très bientôt, merci !» Comment j'aurais pu savoir? C'était juste amical au début, c'était juste amical, du coup... Note à moi-même, il faut vraiment que j'arrête de sourire à des inconnus et de parler et de dire bonjour à tous les inconnus que je croise. Un jour, ça va me coûter la vie, j'en suis sûr. C'est sûr. Quoi? Comment ça, le rapport avec Spider-Man? Non, il n'y en a pas. Je voulais juste profiter de l'intro de cette vidéo pour exprimer ma frustration envers ce début de journée. C'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Et ici, on n'est pas comme tous les autres youtubeurs qui parlent de pop culture et tout. Moi, je parle de tout. C'est mes intros. Et les intros, généralement, j'aime bien me permettre de toucher tous les sujets. Ça, c'est duré, je vous l'avoue. D'accord, je vous laisse avec la vidéo. Mesdames et messieurs, bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez tous extrêmement bien et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo que je ne fais vraiment pas de gaieté de cœur parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour répondre à une question, la question que vous m'avez le plus posée depuis que j'ai commencé YouTube, sur Instagram, sur YouTube, dans les commentaires et depuis que je fais plein de vidéos sur Marvel Spider-Man 2. Namiat, vas-tu proposer des gameplays ou des let's play sur Marvel Spider-Man 2? Et du coup, il fallait absolument que j'apporte ce sujet en vidéo parce que quand vous me posez sur Instagram, à chaque fois je vous réponds en story comme ça, j'essaye de toucher le plus de monde possible. Mais sur YouTube, c'est pas tout le monde qui me suit sur YouTube qui me suit sur Instagram. Du coup, déjà de 1, allez me suivre sur Instagram, c'est là où il se passe des dingueries. Si vous avez besoin de parler ou quoi que ce soit, je suis à votre disposition. J'adore blablater, j'adore parler avec la communauté. Du coup, n'hésitez vraiment pas, lien en bas en description. En plus de ça, il y a toutes sortes de choses sur Instagram. Je vous partage ma vie, je vous partage tout et n'importe quoi. J'adore discuter avec vous, on discute de tout et n'importe quoi. Venez sur Instagram, lien en bas en description. Et comme ça, vous n'allez pas rater ce genre de petites informations, ma foi, plutôt croustillantes. Bref, je vais directement répondre à la question là, maintenant, tout de suite, directement. Et pour ceux et celles qui ont regardé la vidéo FAQ, vous savez pourquoi je ne pourrais pas vous proposer de gameplay. Mais encore une fois, vu que c'est Marvel Spider-Man et vu que vous avez été nombreux à me poser cette question, il fallait que je l'aborde en vidéo, comme ça je vous explique le pourquoi du comment à tous et que vous pouvez comprendre un peu mon point de vue, j'ai envie de vous dire. Alors non, mesdames et messieurs, malheureusement je ne pourrai pas vous proposer de gameplay sur la chaîne YouTube sur Marvel Spider-Man 2 ni de let's play en général. Alors oui, il y aura des vidéos sur Marvel Spider-Man 2, il y aura des vidéos de Namiat, c'est-à-dire moi, qui joue à Marvel Spider-Man 2. Mais ça sera pas d'histoire, ça sera pas vraiment un truc hebdomadaire en live ou un truc dans genre. Il y aura des trucs où moi je joue à Spider-Man pour vous donner mon avis, juste pour blablater, juste de quoi kiffer et tout. Mais gameplay à proprement parler, let's play à proprement parler, que ça soit en live ou en vidéo, malheureusement ça ne sera pas possible et ce pour diverses raisons. Déjà, raison numéro 1, mesdames et messieurs, et je l'ai déjà encore une fois abordé durant la vidéo FAQ, c'est tout simplement le fait que j'ai pas le matériel nécessaire. Pour ceux et celles qui le savent pas, je joue sur PS5 sur grosse télévision 4K dans le salon en fait. Bon, pour Marvel Spider-Man 2, je vais faire une exception, je vais leur enlever la télé et la mettre dans ma chambre, comme ça je vais me mettre vraiment dans une ambiance incroyable. Mais pour le coup, je joue en général, c'est une console salon on va dire, et du coup, quand je joue à une console salon, notamment la PS5, les Xbox, etc., j'aime bien être posé, assis, normal, devant la télé et jouer. Et pour pouvoir proposer des gameplays, des streams, etc., déjà, première des choses, il me faut un petit écran sur lequel brancher ma PS5 pour, du coup, tout simplement vous proposer le stream directement grâce à mon PC via une boîte de stream, en fait. Déjà, j'ai pas la boîte de stream. De deux, j'ai pas le petit écran pour jouer en même temps streamer. Numéro 3, mesdames et messieurs, c'est tout simplement la connexion, parce que oui, pour ceux et celles qui le savent pas, je propose mes lives grâce à la 4G. Et parfois ça marche pas, des fois c'est une bonne qualité, des fois pas du tout, des fois ça lag, des fois pas du tout. Et vu qu'on fait des lives une fois par hasard, franchement ça me dérange pas parce que je n'ai pas la fibre et je n'ai vraiment pas une bonne connexion dans le 3A où je suis. Du coup, quand il y a de grosses occasions et tout, d'accord, on fait avec la 4G, on croise des doigts pour que ça marche, mais aller à proposer des streams chaque jour, quasiment 2, 3 heures, 4 heures, 5 heures de stream par jour avec la 4G et on partage ça en chaque jour en fait, ça fait beaucoup. Alors je dis pas que ça peut ne pas marcher, tout comme si ça peut marcher ou pas, parce que je ne sais pas, ça va dépendre de la 4G, ça va dépendre, des fois elle veut bien, des fois elle veut pas marcher, mais
si c'est chaque jour, et que à chaque fois que je suis en train de jouer, je dois vérifier si le stream il marche, si le stream il marche pas, si la 4G est bien, elle est pas bien, la qualité elle est bien, elle est pas bien, ça lag pas. Déjà de 1, ça va casser toute mon immersion, ça va m'énerver parce que vous savez à quel point je m'énerve quand ma connexion elle dégénère quand je suis en stream ou quand je suis en live, un truc dans le genre. Du coup, tout simplement, ça va casser tout le délire du stream. En plus du fait, bien évidemment, que je n'ai ni l'écran nécessaire, ni l'envie de jouer sur un petit écran ou sur mon PC en général, ni l'envie de jouer sur mon bureau avec deux éclairages qui sont en train de me foudroyer la gueule. Pour des lives et tout, d'accord? Mais pour jouer à un jeu comme Spider-Man, un jeu aussi immersif, etc., je préfère largement le faire tout seul dans mon coin, ce qui va directement nous ramener vers la deuxième raison pour laquelle je ne pourrai malheureusement pas vous proposer de stream, et ça a directement rapport avec la fameuse vidéo des règlements Marvel Spider-Man. C'est tout simplement l'immersion, mesdames et messieurs, parce que oui, comme j'étais en train de vous le dire, quand je joue à un jeu d'histoire comme ça, bon, si c'était du Overwatch, un truc dangereux, ou un FPS, d'accord, ce serait cool de le faire en stream, mais ce genre de jeu d'histoire avec une immersion, avec une histoire, avec des personnages, de la tristesse, de la joie, etc., etc., avec vraiment une grosse histoire, on dirait un film, je préfère une immersion pas possible, dans le sens où je vous ai dit, je vais déjà changer tout le décor de ma chambre sans exception. D'ailleurs, je sais même pas comment je vais tourner les vidéos parce que le bureau il va disparaître d'ici, mon lit il va disparaître d'ici, la télévision je vais la mettre ici, vous pouvez pas voir ça, le bureau il va se mettre du côté de la télé, le lit je vais le mettre juste au milieu, comme ça en fait je vais essayer de me procurer la meilleure immersion possible, parce que quand je veux jouer à un jeu comme ça d'histoire et tout, j'aime bien être dans mon lit sous ma petite couette avec une télévision 4K, la lumière éteinte, les volets fermés, tout est fermé, juste dans l'obscurité la plus totale, avec mon petit thé, avec un petit truc à grignoter, et je joue. Et ça s'arrête là, immersion totale, le son au maximum, on emmerde les voisins. Bon, les voisins ils sont sympas, j'ai pas de voisins, mais vous voyez ce que je veux dire. Il faut pas emmerder les voisins sont sympas, mesdames, messieurs. Bref, vous voyez ce que je veux dire, j'aime bien avoir une bonne immersion, surtout quand je joue à ce genre de jeu. Contrairement à si j'étais en stream, il faudrait que je me concentre avec le chat, j'aurais deux éclairages sur la gueule, j'aurais un petit écran, je serais assis en longueur de journée et tout. Contrairement au fait que j'aurais une télévision 4K qui fait la taille du mur devant moi, je serais dans mon lit avec l'obscurité, avec. Tu vois, c'est vraiment pas la même chose. Et du coup, malheureusement, je pourrais pas vivre ça avec vous, tout simplement. Mais ce n'est pas grave, vu qu'on a quasiment tout vécu ensemble. Mais vous aussi, de votre côté, vous serez en train de faire le jeu, etc. Du coup, ça ne va pas forcément déranger. Et d'ailleurs, je vous conseille fortement de faire la même chose que moi. Genre, vraiment, vous procurez la meilleure immersion possible, le son, l'éclairage et tout. Et vous posez tout simplement et évitez de chercher midi à 14h, etc. Parce que même moi, je vais pas aller en cours, je vais pas aller au travail. Ça va juste être nouvelle chambre, et d'ailleurs je vais potentiellement vous faire un petit live sur Instagram, un truc dans le genre, de quoi changer un peu le décor de la chambre pour Marvel Spider-Man 2, et je vous jure que je vais le faire. Je parle du décor, le live c'est pas sûr, ça dépend de ma connexion, mais voyez ce que je veux dire. Du coup voilà, j'espère avoir répondu à cette fameuse question. J'ai déjà abordé tous ces sujets dans la vidéo FAQ pour ceux et celles qui veulent plus de détails, et même le sujet de l'intro de la vidéo, je viens de m'en rendre compte, mais bon, ça c'est une autre histoire. Merci à tous ceux et celles qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin, j'espère vraiment que vous pourrez me comprendre, mesdames, messieurs, parce que vraiment vous avez été très 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 nombreux et nombreuses à me demander de streamer le jeu, et je m'en excuse éperdument. Je vous jure, je m'excuse vraiment, parce que vous m'avez très rarement demandé un truc aussi fréquemment, en fait. Vous avez vraiment, c'est quasiment jamais arrivé sur la chaîne qu'on me demande un truc à ce point, et je m'excuse, j'ai l'impression de vous trahir un peu et tout, mais malheureusement j'ai même pas le matériel pour essayer de me dire ouais, peut-être que je vais laisser l'immersion pour la communauté. J'ai même pas le matériel nécessaire, j'ai même pas la connexion nécessaire, je n'ai même pas de quoi streamer bien comme il faut et de quoi vous procurer un stream qui va vous plaire et me plaire moi aussi en général. Du coup, j'espère que vous pourrez comprendre tout ce qui a été dit. Je m'excuse, vraiment, je m'excuse. C'est comme ça. Peut-être que dans quelques années, peut-être avec les prochains jeux, qui sait, Suicide Squad, Iron Man, Wolverine, peut-être qu'on pourra faire ça. D'ici là, j'aurai peut-être une bonne connexion, j'aurai peut-être le matos nécessaire, je vais peut-être me le procurer. Du coup, voilà, encore une fois, toutes mes excuses, mesdames, messieurs. J'espère en tout cas que ça vous aura pas trop déçu et que vous allez quand même kiffer votre jeu de votre côté. Ne vous inquiétez pas, il y aura des vidéos sur le jeu, il y aura des vidéos gameplay sur le jeu, mais pas forcément, tu vois. Je vais essayer de directement me filmer en train de jouer et d'un côté filmer la play avec la play, tu vois, ça va être un peu compliqué, mais je vais essayer de vous procurer une vidéo ou deux tout simplement pour vous faire plaisir. Du coup voilà, encore une fois, je m'excuse, merci à tous ceux et celles qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin. Petit pouce bleu, abonnement ce n'est pas déjà fait si tu veux apprécier le contenu global de la chaîne en cliquant juste ici. Tu peux regarder une autre vidéo en cliquant juste là. Sur ce, moi je te dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo, c'est Anamiat, portez-vous bien.